Vous avez du lait dans la barre. Pourquoi encore? Tu appelles ça une barre, toi? Parce que Klaus est insatiable. Vous devriez la laisser pousser. Les hommes qui ont réussi portent la barre. Ramasse ta poupée. Je veux être... Entiende ahora por qué el cuervo no quería decirle lo de Uruguay. Pero igual no se siente culpable por haberlo forzado. Piensa que él debería haberse resistido. Es muy rico. Alors portez les vrais bars. Vous êtes insatiable. Et pour y être plus riche. Cesse de chanter, Enrique. Non, cesse de chanter. Entiende ahora por qué el cuervo no quería decirle lo de Uruguay. Pero igual no se siente culpable por haberlo forzado. Piensa que él debería haberse resistido. Ah oui, comme ça. Attention, ça goûte pas. Quoi d'autre serait bon pour mon bébé? Le lait. Des litres de lait frais d'une bonne nourrice prison. Bon, si Saskia ne l'allait pas, ce sera Enrique qui s'en chargera. Rembrandt, ne soyez pas grossier. Ce n'est pas encore une femme. Et ne vous en déplaise, on en fera du fromage tellement j'aurai de lait. Ah, Saskia, ne soyez pas grossière, il y a des élèves ici. Ils sont là pour apprendre. D'ailleurs, ils nous paient pour ça. Vous ne devez pas l'allaiter vous-même. Bien sûr que si, je l'allaiterai. Yann. Tu es vieux jeu, Gertje. De l'eau. Nous sommes au XVIIe siècle. Personne ne conteste aux femmes d'aujourd'hui le droit de fumer, écrire, correspondre avec des cartes, porter une paire de lunettes, insulter le pape et donner le sein à leur bébé. Encore faut-il qu'un homme accepte de leur payer le tabac et de les embrasser. Gertje, ça suffit. Gertje n'est pas vieux jeu. Elle porte des culottes sous ses jupons et des jarretières sous les genoux. Ah oui, et tout en faisant des pioches de France. Mon livre de contes. Les femmes d'aujourd'hui ont le droit de fumer. Écrire, correspondre avec des cartes, porter une paire de lunettes, insulter le pape et donner le sein à leur bébé. Et conduire les affaires d'hommes possédant des biens. Ah, je suis de ces hommes-là. Vichy Reinlist, il a 12 hommes intéressés. Non, je refuse. Vous acceptez pour 60 florins chacun. Non, je refuse, surtout pour un prix pareil. Vous acceptez le total seulement de 720 florins. Se lavant les mains jusqu'en juin, Sainte-Véronique pour le mois de temps. Vous avez tant d'admirateurs dévoués. Et il faudra le temps de les tirer, ces gravures. Avec des anges dorés. Il faut que je trouve un ange doré. Ah, vous serez mon modèle pour Marie-Madeleine. Il n'était écrit nulle part qu'elle était enceinte. Enrique pourrait peut-être faire votre ange. Tu es enceinte, Enrique? Les anges sont des êtres purs. Ah bon, même au XVIIe siècle. Mais je...